Messieurs. On ne fume pas pendant la classe. C'est valable pour tout le monde, même pour vous, monsieur. Ça commence bien. Mes compliments, Mathieu. Assis. Naturellement. Vous. Toujours vous. Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien, monsieur le directeur. Comment ça, rien ? Vous alliez le punir. Ah non, non, je le faisais aller au tableau pour l'interroger. Et quand vous êtes entré, j'allais réclamer le silence. Et vous en aviez en effet bien besoin. Que je n'ai pas à revenir. Tu vas au coin. Bien. Maintenant que vous me connaissez un peu mieux, une petite mise au point s'impose. En ce moment même, un de vos camarades est au cachot. Pour rien. Seulement moi, je n'en ai peut-être pas l'air comme ça, mais on ne me la fait pas. Je connais le coupable. Et je lui donne 15 secondes pour se désigner. J'attends. Tant pis pour vous, plus que 5 secondes. Trop tard. Le Kérek. Qui est le Kérek ? Moi, monsieur. Tiens donc. Alors, c'est vous qui avez blessé monsieur Maxence ? Mais non, monsieur, c'est pas moi ! Je ne questionne pas, j'affirme ! Mais j'ai rien fait ! Oui, entre votre parole et la mienne, monsieur le directeur saura faire la différence. Ah, pendant mon absence, j'aimerais quelqu'un de sérieux pour surveiller la classe. Si j'en crois mon flair infaillible, quelqu'un de sérieux, ça doit être monsieur Morange. Allons, allons, allons ! Qui est monsieur Morange ? Ben, moi, monsieur. Alors, c'est vous, la tête d'ange. Descendez au tableau. Vous garderez la classe pendant mon absence. Allez. Ah, bravo. Jolie tenue, là. Sortez mieux la chemise. C'est plus correct. Puisqu'on dit que les fortes têtes ont beaucoup d'autorité sur leurs camarades, montrez-le. Allez-vous, chez le directeur.